Salut tout le monde, juste une petite expérience sur la partie Google par rapport aux différents suivis. Donc je vais prendre quelques dates au hasard là, sur 2020. Et c'est effectivement un suivi extrêmement poussé. Il sait exactement où est-ce qu'on va manger. Tout ce qu'on fait. Typiquement là, hop. Petite course au Carrefour Market. Là, il n'y a rien ce jour-là. Là, il sait exactement à quelle station-service je me suis arrêté en revenant du boulot. Là, il sait exactement que je suis allé chez un pote dans le sud du Gers. Sud. Ça doit être le 31, ça doit pas être le Gers, c'est ça. Mais bon, à côté, quoi. Là c'est une journée de boulot. Là c'est une journée de boulot et j'ai passé la soirée à Artilect au Fab Lab. Et ça se voit. Là c'est une journée de boulot chez DS, chez le Centre National d'Études Spatiales. Ça, manifestement, c'est une journée de merde où j'ai fait des courses un petit peu partout. Gudas, Intermarché, un autre Intermarché. Alors le quartier est là-bas, mais je sais plus pourquoi. Ça doit être un dimanche où je suis allé à Auch. Ah, j'avais été, oui, d'accord. On avait été. C'était pour un repas, je crois. Ok, très bien. Donc, ça, c'est le boulot. Donc, pareil, j'ai fait tout le tour de Toulouse parce que bah, Waze, en fonction des bouchons, me fait passer soit par le nord, soit par le sud. Là, manifestement, j'ai fait. Le CNES, Airbus Defence and Space et Squad le même jour. Là j'ai fait la brasserie de l'armurier, Squad, Airbus Géo, tout ça le même jour. Là, ça devait être un jeudi, Artilect Fab Lab. Géo, parti manger à pied, manifestement, d'après ce qui est indiqué, il sait même que j'y suis allé à pied, au marin d'eau douce. Là, ici, je me suis arrêté à l'Ardenne faire certainement les courses. Là, je me suis arrêté très certainement au centre de psychiatrie. Et un bus Géo, il sait que je suis allé au Buffalo Grill en face. Putain, mais c'est de la folie, quoi. Là, je sais pas où je vais être. Tututut, zip zap. Je sais pas, j'avais dû aller voir quelqu'un ici, là, à l'Ardenne. Passage à Purpan, arrêt au Magdal. Oh putain, mais quelle horreur, je m'étais arrêté. Je suis si souvent que ça, c'est fou. Ici, toujours Airbus Géo, donc ça va être le matin et ça le soir, certainement. Et on avait été bouffé aux Trois Brasseurs à la Belge. Putain, ils savent tout, quoi, c'est impressionnant, quoi. J'avais dû aller bouffer à l'entrée du CNES. Certainement. Passage à Squad après le soir. Ouais, c'est ça, c'est le soir, donc ça devait être pour une soirée de communauté. Donc l'agence m'avait dû me prêter l'agence justement pour faire la soirée. Ça fait peur hein, quand on voit tout ce qu'ils savent. Donc aller-retour chez Géo.
J'avais bouffé le midi au CNES. Le soir au Fab Lab. Retour du Fab Lab, passage par le McDo. Ah ouais, putain. Horrible cette journée. Donc ici, je vais être chez Géo. À l'espace de coworking de l'étincelle. Et rentrer. Eh ben. Là, on sait pas. Là, on sait pas. C'est impressionnant et ça fait peur en même temps. Vache. J'ai encore été bouffé au CNES, encore une fois. En bagnole. Était mangé à pied au marin d'eau douce. Ah ben, donc là on est arrivé au 30 janvier, donc je vais arrêter. On a suffisamment d'exemples. Et j'avoue que ça fait quand même peur de voir à quel point on est pisté, quoi. De toute façon, je crois qu'à partir de février, j'avais désactivé la visibilité du traçage. Quand même effrayant de voir à quel point on est pisté.